Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 8 janvier 2021, 11h24, heure du Québec. Imaginez-vous, chers amis, on n'a pas fini encore, on en a pour une douzaine de jours avec Donald Trump, qui vient juste de tweeter après avoir eu un compte bloqué pendant 12 heures, banni à vie de Facebook, après les événements tragiques d'il y a 2 jours, son comportement vraiment déshonorant de la dernière année, sa défaite électorale qu'il a été incapable d'accepter et d'avaler. Il vient de tweeter qu'il ne participera pas et n'assistera pas à l'inauguration de Joe Biden. Waouh! Le 20 janvier. Ça vous en dit beaucoup sur l'égocentrisme, sur l'antipatriotisme de Donald Trump, de son égoïsme et d'avoir fait tout tourner autour de lui. On peut voir le tweet du président ici, juste ici, qui nous dit « To all of those who have asked, I will not be going to the inauguration on January the 20th. » Wow! Il faut vraiment le faire, mes chers amis. La victoire de Biden a été projetée par tous les principaux médias à la mi-novembre et confirmée par les votes du Collège électoral. Le président républicain a faussement insisté sur le fait qu'il avait gagné dans une victoire écrasante, ce qui est complètement faux, affirmant que sa réélection avait été volée grâce à une fraude massive. Parlant de fraude massive, je vous l'avais dit, il y a des conséquences qui attendaient tous ces individus-là. Ben, ça commence, ça vient de tomber il y a à peu près 20 minutes. C'est rapporté par Forbes. La compagnie Dominion Voting System a intenté aujourd'hui une action en justice contre l'ancien conseiller juridique de la campagne de Trump, Sidney Powell, pour diffamation et pratiques commerciales trompeuses après que l'avocat ait promu un faux récit préconçu liant les machines à voter de la société à une fraude électorale généralisée. Donc, ça commence et il y en a plein d'autres qui pourraient suivre. Et le président lui-même, après, naturellement, le 20, quand il perdra son immunité, pourra aussi être poursuivi pour diffamation par Dominion System. Voting machine. Il n'y a jamais eu de preuve. Tout est complètement bidon. C'était que de la conspiration. Et ça, c'est vraiment, vraiment représentatif de ce qui s'est passé avec Donald Trump, surtout dans la dernière année où il a été incapable de gérer une crise majeure, a amené le pays dans la faillite totale, dans la destruction de la République, a amené le monde aussi à genoux. C'est un peu à cause de lui et de son refus de gérer la pandémie et de la prendre au sérieux. Il n'y avait pas de leadership mondial. Et on se retrouve aujourd'hui tous au bord de la faillite, au bord du précipice, au bord du chaos mondial, de la haine mondiale, comme on n'a jamais vu, de la division, comme on n'a jamais vu au sein des populations qui sont plus capables de se parler, qui voient des conspirations partout. Et notre liberté est en jeu ici. Parce qu'on a les extrémistes des deux côtés, autant de la gauche que de la droite, qui abusent de leur pouvoir et de leur droit de parole pour raconter n'importe quoi, des deux côtés de l'extrême, OK, politique. Et c'est ces gens-là qui font toujours le bruit nécessaire pour amener encore plus de restrictions du droit de parole sur la majorité qui respecte les règles. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Donc, vraiment, quelque chose d'inusité, le président qui n'assistera pas à l'inauguration. Et Sidney Powell, qui est la première à se faire poursuivre. Je pense que c'est un peu plus qu'un milliard de dollars, la poursuite. Je peux te dire une chose, les semaines et les jours et les mois qui s'en viennent vont être remplis d'anecdotes, d'histoires et de rebondissements. Je vous reviens. Ne lâchez pas, restez ici. C'est ici que vous apprenez vraiment ce qui se passe au moment où ça se passe.